Bon. C'est la raison pour laquelle j'aime pas... Voilà, les deux. C'est la raison pour laquelle j'aime pas énormément ce chapitre. C'est surtout parce que, voilà, y a pas mal de trucs qu'il faut faire pour protéger ces bons sangs d'otages. Et pas mal d'éléments sont hors de votre contrôle. C'est pour ça que je suis pas un grand adorateur. Non, je vais te mettre là parce que je sais pas jusqu'où Laura va aussi elle pouvait, tant pis. Et je... c'est très irritant. Idéalement, j'aimerais bien donner à Laura son niveau supérieur, niveau 18. Comme ça, je pourrais la mettre au quasi 19. Et je devrais pouvoir lui donner sa promotion avant la... avec les autres. Toujours pas. Mais il n'y a rien ici. Donc, toi, tu vas pouvoir battre en retraite et tu vas déposer ce type... Ah, tu peux pas le déposer. Bah, tu vas le déposer... ici, je suppose. Toi, tu vas te mettre devant pour pouvoir les défendre. Et vous, vous restez là-bas. Parce que je crois pas qu'il y ait de nouveaux renforts à gauche. Mais j'ai pas envie de le découvrir. Donc, eux, comme vous pouvez le constater, ils sont plutôt bien placés pour en massacrer pas mal de gens. S'ils en avaient envie. Et ils sont la principale raison pour laquelle j'ai donné le Dracocide à ce cher Edward. Pour qu'il puisse leur casser la tronche. Donc, bien entendu, on va y dégager tout le monde. Pour que seul Sauve attire les coups. Je veux dire, il est là pour ça. T'as pas d'armes, bien sûr. T'es toujours... Ouais, parfait. Et comme ça, on va tous leur tabasser la tronche. On a même Vika si on... Non, on n'aura plus Vika. On n'aura plus Vika, malheureusement. Mais écoutez, c'est... Ça valait le coup d'essayer. On va peut-être commencer à descendre un petit peu avec eux deux. Je suis presque sûr qu'au pire, je peux envoyer Nella en mode full rush tout en haut pour qu'elle puisse sauver la situation. Mais si je pouvais essayer de choper... enfin, d'avoir deux chances par tour pour de choper la pièce, ce serait pas mal. Idéalement. La dernière fois, t'avais gagné en magie plutôt qu'en PV, mais les PV sont meilleurs, donc, je prends. Meilleur up que la dernière fois, techniquement parlant. Dans la réalité, c'est les mêmes nombres de stats, mais... Content. Très content. Je regrette pas de l'avoir refait, ça se passe beaucoup mieux que la dernière fois et je râle beaucoup moins. Et je pense que moins râler est bien. Et ouais, Vika perd sa transformation, malheureusement. Non, j'espère que je suis à la bonne case. Bam! Normalement, ça aurait dû le tuer, je pense, mais bon. Je suis bien à la bonne case, oui. Ouais, c'est entre deux trucs de marée. Normalement, ouais, c'est la bonne case. C'est juste que j'ai... Non, j'arrive pas à la trouver. Je vous jure qu'elle est là. Du moins, je l'espère. Toi, tu peux pas aller loin, malheureusement, mais Vika... Vika, tu m'auras bien aidé. Je regrette rien. Dracocide fait méga mal. Voilà. Il sert pour plus tard dans le jeu également. Ben, de toute façon, dès que vous affrontez des Weavers, il peut servir. Mais là, en l'occurrence, et à l'origine, j'avais utilisé Illyana pour m'en débarrasser. Elle avait fait un coup critique sur les deux. Oh, waouh! Super bien de niveau, de la défense. Et il a maxé sa vitesse. Et il a gagné de la force. Et des PV. Super bien de niveau. Bravo, Edward. Tu me montres que j'avais raison de vouloir recommencer cette carte. Nolan, est-ce que toi tu vas pouvoir me montrer que j'avais raison de te faire recommencer cette carte aussi? Toi de toute façon tu le fais. Négation, négation, regarde-moi toutes ces négations. Ce type est en négatif comme on pourrait pas l'imaginer. Ah, tu le tues. Ah zut, je crois que Nolan va pas pouvoir le tuer. J'en suis presque sûr. T'as combien de vitesse par curiosité? T'en as 11. Nolan en a 14, bien entendu. Bah en fait le truc c'est qu'elle double. Si elle doublait pas je pourrais l'affaiblir un petit coup. Mais comme elle double, et ben écoutez, ça va être un petit coup de hache. Enfer. Ah. Ok. Et je suppose que Mikaya va avoir le plaisir de lui balancer un coup de lumière dans la face. Et de coup critique. Parce qu'après tout il n'y a pas... Ces types semblent être très vulnérables au coup critique parce que c'est la millionième fois que... Enfin... Illyana avait fait un coup critique sur les deux dans la véritable tentative de la dernière fois. Mais... Bon, bref. Muharim, je pense que tu vas pouvoir remonter par là-haut pour te faire soigner. Je veux dire, j'ai bien envie que tous reçoivent du soin, c'est possible. Là, c'est plus ou moins la fin. Je pense que les Weavern étaient les derniers renforts. Zut. Edward, ramène-toi. Ouais, ouais, non, non. Il faut qu'elle soigne 4 gus avant de pouvoir... obtenir son niveau supérieur. Je veux qu'elle soigne ses 4 gus.
Trouve cette pièce, toi. Je suis presque sûr que c'est là. Oui, c'est là. J'en suis sûr et certain. Il y a les trois cases de marée ici. Il y en a une là et c'est un peu à la diagonale. Donc, c'est juste que j'ai pas de bol. Faut dire j'ai plus l'optimal. Pas grave. Et il y en a une autre, bien sûr, qui se trouve juste ici. Mais ça viendra la récupérer quand les choses se sont calmées un petit peu. Donc... Oh, ça, ah oui, ça va être à gagner en PV. On va mettre tout le monde en position un petit peu. Même Vika, j'ai envie de dire. Elle peut toujours encaisser quelques coups et 6 de transformation. Je veux dire, je peux lui donner un petit peu de bonus si j'en ai envie. Toi, tu vas rester avec... non, tu vas rester en plein milieu au cas où il y a des renforts, que tu puisses intervenir immédiatement. Ok, j'avoue, la seule raison pour laquelle je vais passer un tour, c'est pour pouvoir soigner Sos avant de l'envoyer tanker. Parce que s'il prend d'autres coups, c'est du soin que j'aurais perdu. Devrait pas, je sais. Donc normalement, tous les autres sont trop loin. Le seul problème, c'est que vous voyez, ils sont beaucoup à avoir cette case-ci. Donc Sos va se ramener ici, puis là. Je sais, j'abuse un peu à toujours utiliser Sov en tank, entre guillemets, mais... J'aime bien. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment la seule utilité de Sov de manière générale. Alors, peut-être pas dans le jeu, parce qu'il reste très utile un peu après, mais... Il est tellement limité sur la fin que c'est problématique d'en faire grand-chose de réel. Allez! Ah! Bon, ça donnera son niveau à Raphil, j'ai envie de dire. Et toi, tu vas t'avancer ici pour être sûr que... Et en avant. Voilà. Esquive. Assez prévisible. Il y a plus 25 d'esquive par rapport à la normale. Le buisson plus Mikaya. Je vais m'occuper de ça à chaque fois en premier. Bon sang, je comprends. Elle est bien là, cette maudite piège. J'en suis sûr et certain. Bref. Niveau supérieur. Waouh, de la vitesse. Et de la magie, ce qui est plutôt pas mal. Pièce, enfin. Voilà, je vous l'avais dit, c'est juste qu'il m'a fallu 10 ans pour l'obtenir. Laura, tu vas soigner... Personne pour le moment, on va sauvegarder la bataille, puisque comme ça, là, tout se passe parfaitement bien et tout ce qui va derrière. Toi, tu... Leonardo... Ça va vraiment être Nolan qui va achever ce type. T'as 14 de vitesse, mais toi, le truc, c'est que t'as 8 de critique. J'ai pas envie que tu lui balances un coup critique. Le problème, c'est que... Attendez une minute. C'est où que... Ouais, il sera obligé d'aller ici. Donc, au pire, déjà ça, je peux le faire. Non! Bon, tant pis. Voilà. Enfin, je voulais donner à Nolan le kill, mais... Pour qu'il atteigne enfin son niveau son niveau 18, parce que désormais, c'est lui qui a la bourre, mais non. Mikaya, tu vas t'avancer ici, t'es presque invulnérable. Je veux dire, oui, il reste un type là, mais après, c'est que du mage, et je veux dire, ce mec a 25 de dégâts, t'as 20 de résistance, quasiment. Ouais, donc c'est bon. Muarim, tu vas te mettre là, parce que c'est le relativement plus proche que je puisse t'offrir. Toi, tu vas pouvoir le soigner. Et il te manque 2 soins, Laura, pour que tu puisses... un soin, je suis bête. Et tu pourras avoir ton niveau supérieur. Et ce sera cool. Et comme ça, je pourrais te... Je pourrais faire ce que je veux. En avant. Par contre, ça fait que ouais, je dois attirer les autres mages et tout ce qui va derrière. Ça va être un petit peu... Quoique non, je suis pas obligé d'attirer les autres mages. Je peux juste reculer un petit peu et j'ai juste à encaisser ces deux types-là plutôt que de risquer d'attirer le boss et son pote. Parce que ouais, ces deux-là ont à peu près exactement... Techniquement, lui, je peux l'attirer en mettant un personnage ici, mais je suis pas sûr que ça aille réellement le coup. Ah, 10 x 2. On va voir si je peux déjà me débarrasser de ce type. Effectivement, je sais pas ce qu'a Edward, mais j'ai l'impression qu'il s'est senti pousser des ailes ou quelque chose. Toi, tu peux toucher qui? Tu peux toucher à peu près tout le monde. Toi, tu vas te barrer. Toi, tu vas te barrer. Toi, tu vas bousculer. Non, tu vas pas bousculer. Voilà. Non, parce qu'il va pas... Quoique, il peut attaquer Edward, mais il a quoi? Il a Inferno. T'as combien de critiques? 5. Je crois qu'Edward a 14 en chance, donc il peut pas se faire tuer.
Mais je pense qu'il attaquera plutôt Mikaya parce qu'elle encaisse plus. Eh, on verra bien. Désolé, je prends mon temps, mais ouais, il attaque Mikaya. Donc, 2 de dégâts, mais elle va régénérer grâce à guérison. Je pourrais pas me soigner avec ça. Enfin, obtenir le niveau supérieur de la miss avec ça. Mais bon, voyez, hop, guérison a été utile. Je vous jure, je vous jure. Est-ce que tu peux... Bref, c'est la plus précise, de toute façon. Essaye de faire un meilleur gain de niveau que, que 1 point en chance. Je veux dire, sérieusement. Je pense que j'appelle ça un meilleur gain de niveau que 1 point en chance, effectivement. Mais... je peux me tromper, qu'est-ce que vous en pensez? C'est à peine des cendres, hein? Ouais, écoute, je vais être généreux, on va laisser passer, mais t'as intérêt à faire mieux que ça la prochaine fois. Il a enfin gagné en vitesse et en défense et en PV aussi! J'ai vraiment bien fait de refaire cette carte. Ça et le fait que j'étais vraiment... enfin, soit mon commentaire était pourri. En vitesse même! Oh! Joie et bonne humeur, PV et vitesse. Bien, non parce qu'elle m'énerve, elle a 70% de chance de gagner en vitesse, on gagne jamais. Ah, bien, bien, bien. Bah écoutez, le raton correct, hein, je veux dire, bon, sûr qu'elle devra avoir maxé sa vitesse depuis un moment, mais autrement, pas mal. Bon, ok, elle a des maximums un peu pourris, ça explique. Mais bon. Sauf, tu vas t'avancer un petit peu, bah non, en fait. Idéalement, en gros, je vais juste laisser ce type en vie le temps que je puisse finir de choper les... ah, d'accord. Inutile, il y a juste tempête. Go, toi. Leonardo aussi, tu attends ça un petit coup. Tu devrais pouvoir faire quelques... tiens. Ouch. Mais avec 20 de vitesse, ouais, Edward avait aucune chance de se faire doubler. Lui, il disparaît. Autre phase. Phase joueur. Elle, elle régénère son 1 point de vie. Toi, tu te barres en courant. Et tu te fais soigner parce que, effectivement, t'as pris relativement cher. Et ça va être le tour du boss. Donc, toi, tu peux bousculer Sauve et tu vas le faire. Sauve, tu peux toujours pas atteindre malheureusement, donc tu vas te refaire bousculer. Et tu peux toujours pas l'atteindre. Bon sang, Sauve, mais... ah! Normalement, c'est ici. Voilà. Et désormais, nous avons tous les objets de la zone. Donc, Mikaya, tu vas t'avancer ici, t'as le bonus de sauve, t'as masse de chance, enfin, t'as quoi, t'as 24 de chance, le type a quoi, il a 18 de critique, c'est la raison pour laquelle je voulais absolument pas laisser Edward se faire dégommer. Elle devrait sans problème pouvoir liquider ce type, et de toute façon, Leonardo l'achèvera, au pire. Ah, j'étais certain que vous viendriez. Je savais que pour conserver votre réputation, vous ne pouviez laisser ces prisonniers à leur triste sort. Vous n'aviez d'autre choix que de venir. Plus j'essaye de faire son espèce de zozotement et plus et pire il devient. De combien d'innocents avez-vous ordonné le meurtre juste pour m'attirer dans vos filets? Vous n'êtes pas en mesure de me juger. Vous, la chevelure d'argent, la bienfaitrice de Dain, n'êtes qu'une sale menteuse. Vous avez menti pour obtenir l'adhésion d'un peuple conquis. La comédie a failluré, je vais vous leur montrer que vous n'êtes rien. Pour ceux qui se demandent pourquoi, j'en ai aucune idée, j'avais envie. Pourquoi t'as... le type il doit être détesté ton boss, il doit dire meurs, 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 je vais mourir après mais meurs, meurs, meurs. Alors Mikaya, tu peux lui rebalancer un coup de lumière ou tu peux lui balancer un coup de tanil laissant à 7 PV. Malheureusement je suis pas sûr que ça suffira pour 6-7 piles. Ouh. Donc Fanny dans ta face. Et le type a pas mal de chance apparemment parce que 0% de critique. Ah! T'es nul. Et 7 piles. Par contre, je vais sauvegarder parce que s'il fait un coup critique, wouhou! Twisty! Disons que si Edward rate et que l'autre fait un coup critique, il tue. Ouais, directement. Mes soldats semblent avoir perdu du terrain. L'ennemi combat avec tant de hargne. Serait-ce dû au pouvoir de cette bienfaitrice?
cette sorcière a des pouvoirs bien trop forts. Voilà. Bye bye. Mais... Oh wow, niveau supérieur. Wow. Encore de la vitesse. C'est juste ta force qui est lamentable. Ah, c'est pas grave. Nolan, c'est quoi? C'est toi qui vas avoir droit au... qui va dégommer le prêtre. Ok, il se rapproche. Sauvez-moi! 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 Je peux pas te parler, je peux pas être recruté, t'as pas de visage. T'as pas de nom non plus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Bien fait triste. Là, la chevelure d'argent. Non! Désolé. Juste un bon XP bonus pour Nolan parce qu'il est un peu tombé en arrière. Ah, bah c'était déjà bien mieux que la dernière fois, ouais. Nous ne sommes plus très loin du chaos. Le prince pourra-t-il oublier que je me suis opposé à la volonté d'Izuka? Je suis sûr qu'il sera heureux d'apprendre que la plupart des prisonniers sont sains et saufs. Pourquoi la plupart? J'ai sauvé tout le monde! Il disait ça aussi la dernière fois, mais je pensais que c'était parce que j'en avais pas réussi à tous les sauver, mais apparemment non, c'est fixe. Sauf, tu entends ça? C'est la foule qui crie. Mort à Mikaya! Mort à Mikaya! Ah non, c'est pas ça. Je sais pas comment ils savaient qu'on arrivait, mais bon. Hé, hey, regardez de là-haut! Elle est de retour! Elle rentre avec les prisonniers! Elle a remporté une autre bataille, elle a échappé à leur piège, elle a vaincu l'ennemi, une fois de plus. Comment ça dit que c'était un piège? Et j'adore toujours ton casque. Il émane d'elle une aura protectrice, la déesse l'a bénie, dorénavant la fille de l'homme et notre prêtresse. Ton casque est pourri, pourquoi on voit pas tes yeux? Au moins ils ont une visière, toi t'as juste pas d'yeux. Comment tu fais pour te battre? Mon casque est un peu trop bas sur mon visage, je ne vois rien, c'est la raison pour laquelle notre armée est si nulle. Vive la prêtresse de l'homme, hurrah, vive Mikaya! Mais qu'acclame-t-il ainsi? Probablement sauve! Patate! C'est toi qu'ils acclament. Tu as libéré leurs camarades, qui n'étaient en fait que des civils normaux apparemment. C'est leur façon de te montrer leur gratitude. Tu devrais leur faire un signe. Les gens aiment sentir que leur héros est proche d'eux. Je n'ai rien d'une héroïne, mais je comprends ce que tu veux dire. Je vais donc leur faire un petit coucou de l'autre côté de... sur une petite colline très très loin d'eux pour leur montrer que je suis proche d'eux. Je sais, ils veulent dire proche dans le sens où elle entend ce qu'ils disent et elle l'apprécie et tout ça, elle est comme eux quoi. Mais bon. Elle a l'air si vaillante à faire coucou sur une colline. Vive Mikaya, longue vie à la prêtresse de l'aube. Ils ont des bons casques les bougres. C'est juste dommage qu'on les voit jamais parce que ces types ont zéro importance. Ils doivent pas être super pratiques pour la guerre par contre. Pourquoi il n'y a pas de sentinelle? On est attaqué! Où était le sentinelle? Elle joue au poker! Crotte! Ah, tu es là! Je t'ai cherché partout! Sauve! Depuis que j'ai entendu ces soldats m'acclamer, je sais que je me bats pour une juste cause. Parce que des soldats t'acclament, tu sais que ta cause est juste. Elle aurait dit, depuis que j'ai entendu ces gens, ou ne fût-ce que, enfin, il y aurait eu des civils dans le tas, j'aurais dit oui, ça représente le peuple de Dan, mais c'est que des militaires. Les militaires, ils sont en train d'apprécier le fait que t'as sauvé des prisonniers, et que t'as emporté une bataille. On me dirait, techniquement, des civils aussi, mais, je veux dire, juste réduire aux soldats, bien sûr, les soldats ont acclamé, tu gagnes des batailles, tu les mènes à la victoire, ça suffit pas que ta cause est juste. Je suis presque sûr que les soldats, ils acclamaient Ashnar aussi. Que je sache, leur cause, elle était pas juste. Andouille. Mikaya? Sauf! Viens vite, s'il te plaît. Muarin va très mal. Oh, wow, ça sonne vachement grave. Il va très mal! Oh, wow, effectivement, il a l'air d'avoir l'air de pas aller bien. Muarin, qu'est-ce que tu as? Ouvre les yeux, regarde-moi! Petit asticot. Je ne sais pas ce qu'il a. Muarin se transforme tout d'un coup et rugit comme s'il était devenu fou. Et si je le maintiens fermement et que je crie son nom très fort, il revient à lui. Mais il recommence tout de suite après. Lorsqu'il rugit, ses yeux, c'est comme si l'un d'eux me fixait, avec furie. Je ne comprends pas. De qui parles-tu? Tu veux dire que... Non. Je vous en prie, aidez-le. Je ne sais pas quoi faire. Les transformations sont de plus en plus fréquentes. Ah, mon corne. Recule, petit asticot. Ne t'approche pas de moi.
Je ne t'abandonnerai jamais, plutôt mourir que de te voir devenir une bête détraquée. Muharim, regarde-moi! Ce chant. Grâce au galdre de la résurrection, les âmes et les corps abîmés retrouvent leur état normal. Tout va bien maintenant. Oh, merci. Sans Muharim, je serais complètement perdu. Quel était ce chant? Ce n'était pas le même que celui du champ de bataille. C'était le galdre de la résurrection. Je l'ai déjà entendu. C'était pendant la guerre. Mikaya, quelque chose ne va pas? Je me sens bizarre. Cela vient peut-être du chant, mais je ne sais pas pourquoi je tremble. Bah, ce n'est pas grave. L'important, c'est que Muharim aille bien. Je n'ai pas tout suivi. Pendant la guerre d'Ashnar, Dain a mis au point une arme biologique spéciale. Elle utilisait des lagus qu'elle avait monstrueusement déformés à la suite d'horribles expériences. Ces créatures expérimentales étaient surnommées les sauvages. Comment cela, horribles expériences? Seriez-vous en train de discréditer mes brillants travaux? C'était donc vous! Vous vous êtes arrangé pour que Muharim ingère le poison afin d'en faire un sauvage. Cela vous pose un problème? N'est-ce pas formidable de voir prolonger cet état bestial et la puissance de combat qui va avec? Comment osez-vous? Les sauvages ont une espérance de vie réduite. Ils oublient qui ils sont et sauvages jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous le savez, quand bien même vous donnez ce poison à Muharim, d'autant qu'en plus on est également en train de gagner la guerre et que c'est absolument pas nécessaire, les pions n'ont pas besoin de savoir qui ils sont. Le sacrifice des soldats est une stratégie militaire courante, surtout quand on gagne. Nous sommes en guerre, nous devons obtenir la victoire quel qu'en soit le prix. Vous êtes fous alliés, vous êtes le pire des... S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce qu'a fait Izuka à ce Lagus était cruel. J'en suis désolé. Tormod, veuillez m'en excuser. Je vous donne ma parole qu'il ne recommencera plus. S'il vous plaît, essayez de lui pardonner. Votre Altesse. Votre Altesse! Une personne de votre sang et de votre rang ne doit pas s'incliner devant une telle vengeance! Ah, ça suffit! Tormod, laisse-le partir. Et plus 10 points en popularité pour Izuka! Et pendant ce temps, à Sienne, la capitale de Bénion, qui n'est pas la mienne, mais la sienne. Je vois, est-ce la vérité? Oui, votre majesté impériale. Les forces d'occupation ont commis d'ignobles atrocités à Dain. Bien entendu, évidemment, absolument, je veux dire, qui d'autre oserait penser le contraire? Le duc de Numida, gouverneur de cette région, n'était au courant de rien. Je vous présente mes humbles excuses, je n'ai pas été à la hauteur de ma fonction. J'en suis en partie responsable de ce désastre, mais uniquement en partie, pas totalement. Je suis prêt à recevoir le châtiment que sa majesté impériale jugera approprié. Mais avant toute chose, nous devons mettre un terme à l'oppression dont Dain est victime. En effet, nous devons régler cette affaire au plus vite. Une commission d'enquête vient d'être formée. Elle est chargée de rencontrer l'armée menée par le fils de feu, le roi Ashnar. Elle doit informer Dain des intentions bienveillantes de Bainion. Nous occuperons ensuite des bourreaux de l'armée d'occupation. Votre plan est remarquable. Dans ce cas, permettez à Lekin, votre humble serviteur, de prendre la tête de la commission. Et oui, son nom est supposé se prononcer Lekin. Les soldats qui ont souillé le nom de l'Empire sont tous châtiés. Ils le paieront tous de leur vie. Du moins, c'est ce qui me semble. C'est contre tous mes principes. Je ne déciderai du sort des soldats qu'après les avoir entendus. Qui plus est, j'ai déjà choisi de nommer Zephyran, le duc de Persis, à la tête de la commission. Zephyran, acceptez-vous cette charge? Notez que je suis pas sûr si c'est Zephyran ou Zephyran, mais bon. Mais je trouve que Zephyran sonne légèrement mieux. Je m'exécute avec honneur, votre majesté impériale. Comment? Mais votre majesté! C'est une situation on ne peut plus délicate. J'estime que le premier ministre, le duc de Persis, assumera mieux cette fonction que vous, monsieur le vice-ministre. Bien, je n'ai rien d'autre à ajouter. Monseigneur Lekin, qu'allons-nous faire? Mon ami, j'ai bien peur qu'il faille sacrifier chaque soldat de l'armée d'occupation. Comment? Mais c'est grotesque! Non! Je vois pas quelle est la différence, juste avant il proposait de tous les condamner à mort et maintenant il dit qu'il faut tous les sacrifier, c'est quoi la différence? Dans un cas comme dans l'autre, ils meurent tous. Je hais cet enfant capricieux, sans parler de ces ruses sournoises. Il nous empêche de gouverner avec corruption et... malhonnêteté. Sanaki, tu me le paieras!
J'adore les gens qui passent leur temps à truander, mentir, voler, tuer, qui se plaignent que les autres ne leur permettent pas de le faire tranquillement. Bref, 1500 en bonus d'or ici, cette fois-ci 1200 au lieu de 600, survie des prisonniers. Mieux. Et avec ça, donc, nous avons été victorieux apparemment malgré nous. Je sais pas comment, mais apparemment, oui. Mais c'est déjà bien mieux que la dernière fois, ça a pris tout autant de temps malheureusement, mais c'est pas grave. Donc je vous retrouverai la prochaine fois pour que, bien entendu, nous faisions, j'en ai absolument aucune idée en fait, puisque la guerre se fait entre les deux chapitres à chaque fois. On fait une bataille, et puis on découvre que toute la guerre se déroule ailleurs, donc ok, d'accord, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'impact sur les événements, j'ai sauvé un camp de prisonniers, et juste après on nous annonce que tous les autres camps sont soulevés, que la population... est en train de mordre les soldats adverses jusqu'au sang, que on gagne des victoires à droite et à gauche, on gagne des victoires, waouh, alors que nous-mêmes n'avons rien fait de spécial. Certainement, c'est pas plus mal, parce que ça rappelle qu'on n'est pas non plus à l'origine de tout. On a aidé au début, et après, ça se fait un peu tout seul, mais quand même. Bref, donc je rentre la prochaine fois pour je ne sais pas. Donc d'ici là, ciao.